Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue avec vous. Même je dis là, nous retournons encore. Ça fait quelques temps que nous partons avec vous pour ne pas proposer de causer dans la Bible. Je dis là, nous parlons oui, un sujet qui est extrêmement important pour les chrétiens et les non-chrétiens, les croyants et les non-croyants également. Quelle est votre espérance? Quelle est votre espérance? Est-ce que vous aspirez à vivre une vie? Et quand vous serez mort, une vie céleste ou une vie terrestre? Où irons-nous lorsque nous serons morts et ressuscités? Parce que nous ressusciterons tous, et soit pour le jugement ou bien pour aller vivre avec le Seigneur. Est-ce que nous allons vivre avec le Seigneur dans les cieux et sur la, ou sur la terre? Donc, c'est ça notre espérance. Donc, et si nous vivons qu'on est là, c'est parce que nous espérons que notre corps sera. Nous serons morts et après nous serons ressuscités pour aller vivre avec le Seigneur. Est-ce que avec le Seigneur, dans les cieux ou bien sur la terre? Donc c'est une question que un pile chrétien a posée. Donc c'est ça que nous allons je dis à là dans l'étude biblique, nous, et pour nous parler de espérance de vie, espérance d'un chrétien. Alors, celle que nous allons commencer, ouais, et nous parlons ouais, ça à la lumière de la Bible, bien entendu, et nous allons essayer trop long avec vous, et le moyen pour ne pas toujours porter des petits messages assez courts, intéressants, précis, sauf que vous-même, et essayez d'étudier la Bible, parce que nous ne pouvons dire rien sans que nous pas appuyer avec des versets de la Bible. Malgré qu'il y a plusieurs interprétations, il y a des religions qui parlent, non, que nous gagnons pour ne vivre que sur la terre. Et c'est seulement 144 000 personnes qui gagnent pour aller vivre dans les cieux. Il y a une autre religion qui dit que c'est seul dans le ciel que nous allons vivre et que la terre là n'est pas faite pour nous-mêmes. Bon, nous parlons de ça tout à l'heure. Et qui gens, ben, ils vont le faire en gros et assez rapide. Nous parlons de chronologie de gens que, après la résurrection, qui gens nous parlent. Ça nous parle d'abord, nous parlons que lorsque, par exemple, nous parlons mourir, qui gens encore nous parlent. Et quoi nous voyons. Et là, nous faisons un petit coup d'œil dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 35, pour nous voir. Voilà, nous allons commencer, ouais, et il y a un verset 1 Corinthiens 15, verset 35 qui dit non. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Donc, c'est verset 1 Corinthiens chapitre 5, c'est la question qu'on se pose, qui vient nous parler ressusciter, avec quel corps que nous parlons ressusciter? Là, nous regardons, par exemple, suite verset A, par exemple, n'a pas verset à partir du verset 42, qui répond avec question ça. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Ça veut dire sans faute, sans et vraiment péché la donne. Donc, tout notre péché sera anéanti et notre corps sera ressuscité, vraiment un corps avec un corps incorruptible. Donc, c'est là que nous parlons que, et à la résurrection, que pour nous capables de joindre Jésus-Christ, il faudrait que corps ça qui est nature péché là-dedans, allait ressusciter sans péché, avec un corps glorifié, un corps incorruptible, sans faute là-dedans. Donc c'est ça que verset ça ben nous et qui permet que par exemple pour nous que faut pour nous joindre bon Dieu, nous va rejoindre avec même corps nature péché ça. Donc nous besoin passer par la mort qui est une étape essentielle. Et pour des moyens pour que le corps soit capable de transformer. Et nous gagnons aussi, parce que et pas tout le monde qui a mouru, parce que la Bible parle de nous dans Thessaloniciens, comment l'étape ça va aller, que nous gagnons pour nous et puis avant. Mais sans que nous capables, et nous ne mourrons pas tous, parce que il y a certains là-dedans qui parlent ressusciter de façon vivante, mais quand ils également pour le transformer et ils parlent gagner. Puis à la rencontre du Seigneur dans les airs. Cette espérance que nous avons, espérance, est-ce que, par exemple, est-ce que c'est nous les chrétiens seulement et qui pourrons gagner ce type d'espérance? Les chrétiens, c'est-à-dire ceux qui sont là avec Jésus-Christ, qui ont cru en Jésus-Christ et qui seront morts et ressuscités pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Est-ce que c'est nous-mêmes seulement qui est concerné? Et les anciens, ceux et qui étaient là avant nous, Abraham, Isaac, Jacob, et tous ceux qui ont vécu ensemble avec eux. Quelle est leur espérance? Est-ce que ils ont même une espérance céleste? Est-ce qu'ils ont une espérance terrestre? Comment ça peut aller? On nous voit à la lumière de la Bible comment et que ils ont même été gagné une espérance. Espérance, ça veut dire que ça que ils ont aimé
vinier avec Jésus-Christ, avec foi que vous avez avec Jésus-Christ. Pas oublier que la signification de la foi, c'est une ferme espérance. Ça veut dire que faut espérer ça que Jésus-Christ promettra, ça que la Bible parlait de la Bible dans la Bible. Donc c'est une ferme espérance, espoir. Donc quelle est votre espérance dans la Bible? Nous allons voir ça à la lumière de la Bible. Nous allons voir par exemple Abraham et comment lui-même quel type d'espérance qu'il a gagné. En nous regardant par exemple dans Hébreux 11 verset et verset 13 à 16. Regardons d'abord verset 13 qui dit: c'est dans la foi qu'ils sont morts, tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Donc, il a parlé de les anciens comme Abraham, Isaac et Jacob. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Et après, il dit: s'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Donc, une espérance céleste, c'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité, c'est-à-dire la cité céleste. Voilà l'espérance que les anciens ont eue également. Et puis, dans le livre de Job également, Job chapitre 19, à partir du verset 25 et à 27, il parlait également de ce type d'espérance. Il dit: mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. C'est cette espérance qu'ils ont eue également les anciens, Job, Isaac, Jacob, Abraham, etc. Donc, Mounsao, c'est espérance, ça qu'ils ont gagné pour aller vivre avec le Seigneur. Donc, ils ont même également gagné pour aller et aller vivre dans le Seigneur. Nous parlons à partir de quel moment Mounsao déjà avec le Seigneur. Nous parlons ça un petit peu plus. Donc, espérance, ça, c'est fait non seulement pour nous, les chrétiens, et qui ont accepté Jésus-Christ, qui ont connu Christ. Parce que Mounsao lui-même, il n'y a pas de cruel avec deux yeux, il va Christ pour Covini, mais il y a des espoirs à la venue de Christ. Mais nous-mêmes, nous connaissons que Christ est venu. Nous-mêmes qui vivons après le passage de Christ, la venue de Christ, nous connaissons qu'il est venu, il est mort sur un bois du calvaire, il est venu pour nous, et nous sommes certains qu'il dit que la retourne. Donc, la parole a été faite chère, il est venu auprès de nous-mêmes. Même s'il était venu auprès de ses siens, c'est-à-dire les Juifs et les Israélites, ils n'ont pas reçu. Mais nous-mêmes, nous sommes sûrs, certains qui croyons en Dieu, qui croyons en Jésus-Christ, que nous-mêmes, nous croyons que Jésus-Christ retournait, il l'a retourné et il l'a retourné, vient chercher nous. Donc c'est ça, notre espérance et céleste. Donc, pour aller vivre avec lui dans les cieux. Et nous parlons d'un autre verset encore qui est assez intéressant, dans 2 Corinthiens, et chapitre 5, verset 1 à 2, qui dit quoi? Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel, et dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente désirant revêtir notre domicile céleste. Donc, ça, c'est l'espérance des chrétiens, avoir un domicile céleste, là que nous allons vivre avec Dieu et nous serons là avec lui. Et pour tout temps. Domicile céleste. J'ai annoncé deux questions qui étaient posées par les Sadducéens, comment que corps nous va lier lorsque nous serons ressuscités, et puis qui genre de monde que nous parlions. Matthieu chapitre 22, verset 29 à 30, et bien parlez-nous de verset ça, donc je ça du Seigneur, t'as essayé piéger Jésus-Christ, il t'a posé donc ces deux questions. Et puis même disciples, t'as demandé et question ça, comment nous parlions lorsque nous serons ressuscités? Parce que eux-mêmes, ça du Seigneur, pas de quoi dans la résurrection. Donc,
Gain te dit que par exemple ça pose Jésus-Christ question si on monde prend une madame et que yon frère paraît yon mouri frère vinn pour madame non et puis on l'autre frère encore madame frère mouri on l'autre frère prendre donc jusqu'à 7 passer sur les mêmes et pour qui est-ce à la résurrection que madame ça pour aller donc c'est une question assez bête et Jésus-Christ te répond yo là pour ça dans Matthieu chapitre 22 à partir du verset 29 qui dit comme ça allons lire ensemble. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges dans le ciel. Voilà, et verset ça, expliquez-nous parfaitement bien comment nous serons. Nous serons comme les anges. Ça veut dire des êtres spirituels. Des êtres spirituels, des êtres avec un corps glorifié, des êtres parfaits comme les anges. Et donc, nous t'ai parlé déjà un petit peu sur les anges, nous savons très bien que les anges sont des êtres assez puissants, et les anges sont des êtres sans défaut, qui sont là que pour adorer Dieu, et qui sont là aussi pour le service des hommes sur la terre. Donc, vous serez comme des anges, c'est-à-dire avec un corps glorifié et un corps spirituel. Donc, ce n'est pas une question de nous voilà là, et avec même quand nous là, nous parlons pour madame, nous parlons pour monsieur, etc. Et puis, quand il y a là, nous pensons que, et à la résurrection, nous allons continuer à vivre, gens que nous allons vivre là. Donc, c'est ça, votre espérance, c'est d'être ressuscité, mais avec un corps incorruptible, avec un corps glorifié, avec un corps spirituel. Bien entendu, nous voyons ça dans chapitre dans Matthieu 22 à partir du verset 29. Ceux qui nous ont défoncés, nous qui étaient là avant l'arrivée de Jésus-Christ, en parlant les Abraham, Isaac, Jacob, les anciens de l'Ancien Testament, comment, qui placeront et qui côté au palais? Et nous songez que la Bible parle nous de Jésus-Christ, c'est le premier entre des premiers, c'est le premier né. C'est le premier des premiers-nés. C'est la prémisse. Donc, tout bagage fait par Jésus-Christ d'abord. Et il était là depuis même avant Abraham fut. Et Jésus-Christ, c'est lui-même qui premier ressuscité. Et ressuscité des morts avec un corps glorifié, même si nous voyons des exemples de résurrection bien avant l'Ancien Testament. Mais ce n'était pas des résurrections avec des corps glorifiés. Donc, Jésus-Christ, c'est le premier à être ressuscité avec un corps glorifié. Notez ouais déjà un petit peu dans si nous suivons et si nous gagnons qui est absurde, nous te parle un petit peu déjà lorsque Jésus-Christ t'est parlé de t'est fait la première résurrection. Nous songez que et après la résurrection de Jésus-Christ, la Bible parle nous que Jésus-Christ descend aux enfers ou bien dans les séjours des morts où il y a une partie des séjours des morts ceux qui sont en enfer. Et ceux qui sont au paradis. Donc c'est ça le séjour des morts, ceux qui sont en attente pour la résurrection définitive de Jésus-Christ. Donc il y a dans le séjour des morts. Là nous lit par exemple dans Matthieu chapitre 27, à partir du verset 52 et 53, nous lit ça. Lui dit nous par exemple, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Donc il parlait nous d'une sorte de résurrection qui fait pendant la résurrection de Jésus-Christ. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Donc ça, c'est une première résurrection. Et Mounsao qui ressuscitait et des morts là, il parlait nous des saints, c'est-à-dire ceux qui étaient au service de Dieu et pendant des siècles et des siècles, qui étaient morts, Mounsao ressuscité. Et lorsque ressuscité, bien entendu, et nous connaissons que Jésus-Christ est venu monter au ciel. Donc, nous savons très certainement, il n'y a pas de nous voir encore parce qu'il est déjà monté au ciel avec Jésus-Christ. Alors, un passage dans la Bible qui parle de nous, que, et la même Matthieu 22, qui parle de nous, Jésus-Christ est descendu aux enfers, c'est-à-dire pas d'enfer pour amener les captifs. Les captifs, c'est pas ça dire que moun, les damnés, moun qui s'est déjà perdu, mais c'était des âmes, des saints qui attendaient le retour de Jésus-Christ comme les anciens. Et
pour libérer eux parce que Jésus-Christ, non seulement il est mort, il n'est pas mort seulement pour les gens qui viennent après, qui peuvent l'accepter, mais également pour ceux qui l'ont dévancé, et ceux qui ont été à la base de l'évangile, qui ont propagé la parole de l'évangile et, au risque que de leur vie. Donc Jésus-Christ entrait aux enfers, c'est-à-dire dans le séjour des morts, parce que le séjour des morts comporte deux tableaux, une pour les damnés, c'est-à-dire ceux qui doivent périr, comme Abraham, et dans l'histoire d'Abraham et le riche, et puis ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui sont des saints, qui servent Dieu, donc il y a même aussi dans le séjour des morts, c'est-à-dire dans le paradis. Donc histoire, Jésus-Christ c'est une parabole, l'homme riche, le mauvais riche et Abraham, et il y a tous les deux, c'est dans le séjour des morts, il y a une qui a souffert, l'autre là lui-même, qui était bien heureux et après la résurrection, donc son parabole que Jésus-Christ est ballon. Bien entendu, Jésus-Christ a ramené les captifs et pour être ressuscité, et il y a eu des résurrections. Tout le monde s'est déjà monté au ciel pour aller vivre avec le Seigneur. Lorsque nous mourons, ça veut dire que depuis au monde, dans Jésus-Christ, on mourit, corps arrêté est là pour le retour de Jésus-Christ, que ce corps sera ressuscité avec un corps glorieux, et, mais nous-mêmes, l'esprit, nous, déjà monté au ciel et pour rencontrer Dieu. Longuin, pour nous parler ça dans une étude et plus approfondie. Là, nous venons par exemple, quelle est notre espérance? C'est toujours la question que le loi répond. Et là, nous lisons dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 1er. Jusqu'au tout le chapitre, Pierre parlait, nous parlait, et c'est ça. Le chapitre 2 nous dit, « Et qui sont élus selon la présence de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. » Elle dit, chapitre 3, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage, verset clé, chapitre 1 Pierre, chapitre verset 4, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel est réservé dans les cieux. Donc, notre héritage se trouve dans les cieux, selon ce que nous a dit l'apôtre Pierre. Nous allons poursuivre encore et avec explication verset ça pour nous faire connaître que dans le livre de 1 Thessaloniciens 4 verset 15 il y explique nous bien et quelle est cette espérance et comment que nous allons bénéficier. Il dit nous à nos universels, il dit nous voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous on les vivons, restez pour l'avènement du Seigneur, nous nous dévancerons par ceux qui sont morts, bien entendu. Il dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres. Alors, il y a un pile monde qui interprète par ça, il dit que lorsque nous serons à la rencontre du Seigneur, mais c'est pas dans le ciel, mais c'est dans les airs. Et comme quoi, notre héritage, c'est pas dans le ciel. Alors, bien que nous sommes diversés à 1 Pierre, et chapitre 4 qui parle nous de notre héritage, c'est surtout dans les cieux, donc on a été vraiment clair là-dessus. Mais ce que l'on doit savoir, c'est que, et dans la rencontre du Seigneur, où se trouve le Seigneur? Où se trouve Jésus-Christ lorsqu'il a été ressuscité? Il est monté où? Il est monté au ciel. Et nous allons lire un autre verset encore, et qui est plus explicite pour monter nous, que exagérons qui va lier, et lorsque nous serons ressuscités, et qui va nous battre. En nous lisant Jean 14, verset du 1er à 4, qui monte nous bien, et côté nous allons lire. Il dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place.
Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Donc, c'est ça que dans Jean 1er, verset 1er jusqu'à 4, montrez-nous bien, Jean 14, pardon, du verset 1er jusqu'à 4, montrez-nous bien et côté que nous allons et quel est le chemin. Et le chemin, vous le savez très bien, c'est Jésus-Christ. Et pour finir, comme nous en parlons, et donc c'est plusieurs catégories de personnes, ça, les anciens qui nous ont défoncés, qui ont été là avant l'arrivée de Jésus-Christ, et ceux qui sont là après Jésus-Christ, par exemple, à la venue de Jésus-Christ, qui seront enlevés dans les airs ou dans les nuées, et à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc ceux-là seront ressuscités avec un corps glorieux. Et ils vivront éternellement avec Jésus-Christ. Donc, ils vont vivre dans le ciel. Et après, il y aura la grande tribulation. Ils vont retourner encore sur la terre. Et puis, il y a d'autres catégories encore de personnes qui vont hériter le ciel. Et pendant la période de la grande tribulation, il y a deux phases, nous avons parlé ça déjà. Deux phases. Une première phase qui est très terrible. Une deuxième phase aussi, que côté, il prend Satan, il prend l'île. Pour 1000 ans, c'est à l'arrivée d'un an de l'archange qui va se contenter de faire ce travail. Jusqu'à l'arrivée, le retour glorieux de Jésus-Christ sur la terre elle-même, qui va instaurer son royaume sur la terre et dans les cieux. Et dans le chapitre ça, il y a un certain nombre de personnes il y a deux catégories de personnes. Il y a les 144 000 personnes qui sont des juifs et qui vont accepter et l'évangile, qui vont accepter la parole de Dieu, et qui seront au nombre des 12 tribus d'Israël, 12 par 12 qui baillent 144 000, 12 000 par 12 000 baillent 144 000 personnes, et qui vont prêcher l'évangile de la parole de Dieu, et qui seront sacrifiés, qui seront décapités également. Et bien, ceux-là, je n'ai pas le métier, on sauce spécial, une salle à partir d'Apocalypse chapitre 7. Et ça continue jusqu'au chapitre 14, dans la deuxième phase de la grande tribulation. Et puis, il y a aussi une grande foule également, et que la Bible parle de nous, et chrétiens, par exemple, qui participaient à la première résurrection et à l'enlèvement de l'Église, eh bien, Monsieur Ben Bival vient prêcher par un ange, et puis l'ange va le convertir, il va l'accepter Jésus-Christ, il va adorer la bête et la marque de la bête. Et même s'il va persécuter énormément, mais Moussa aussi, il va gagner pas à la au ciel également, ou bien au salut de Dieu, qui va gagner pas avec le royaume, non, qui va dans le ciel et sur la terre. Et à la fin de la tribulation, Jésus-Christ a prétendu pour enchaîner Satan, et tout le monde va vivre avec Jésus-Christ pendant un règne de 1000 ans. Et après un règne de 1000 ans, Jésus-Christ va instaurer son royaume sur la terre, et comme au ciel. Donc c'est pour ça, et la Bible nous dit dans sa prière, et dis-nous que ton royaume vienne sur la terre comme au ciel. Donc il y aura une nouvelle terre et de nouveaux cieux, comme nous, et ceux qui sont ressuscités, la résurrection se fera par un corps glorifié, un corps incorruptible, un corps sans péché. Donc, vous serez comme des anges, vous aurez un corps spirituel. Il n'y aura pas vraiment de la notion du temps. C'est-à-dire que le monde, comme c'est comme un ange. Un ange ne doit pas être là d'un moment à l'autre, et après, il est monté au ciel, on va même voir. Donc, il n'y aura pas vraiment de difficulté pour nous monter au ciel, si par exemple nous voulons aller au ciel avec Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, notre Seigneur, sera constamment avec nous. Donc, pas bien, on sort de oui, on sait une portion qui est dans le ciel, on sait une portion qui est sur la terre. Donc avec le corps ça que nous gagnons, avec l'esprit ça qui peut permettre, qui peut animer nous, vivifiant, c'est peut-être, et Jésus-Christ dit non, lorsque tu es venu sur la terre, il dit non, pas intéresser les choses terrestres, mais surtout les choses qui vivent dans le ciel. Notre héritage, c'est dans le ciel que est lié. Donc c'est peut-être ça, nous-mêmes, nous devons espérer à ceux de l'esprit, ceux qui sont... qui appartiennent
et à Dieu réellement. Donc voilà, c'est pour ça que nous devons avoir cette espérance, espérance vivante, espérance avec une résurrection, par le baron encore glorieux. Peut-être bien que nous, c'est des petits passages, nous pas fini de comprendre, dans ce que nous avons dit, nous allons aller assez vite, mais c'est pour te montrer, par cet exemple, que vous êtes appelés et à hériter le royaume des cieux. Quand je dis le royaume des cieux, ça veut dire l'ensemble du monde entier. Tout ce que Dieu a créé n'a bénéficié également, c'est par une portion, que ce soit la terre. La terre sera plus grande, plus vaste, et capable de recevoir des millions et des millions d'hommes qui seront sauvés. Et puis, le ciel également, il n'y aura pas de point de passage entre la terre et le ciel. Donc, les hommes qui sont avec Jésus-Christ, les chrétiens, et qui vont adorer notre grand Seigneur Dieu. Donc, il n'y aura pas de rupture entre Dieu et nous. Donc, nous serons toujours avec lui pour l'adorer et pour vivre la félicité éternelle, le bonheur éternel. Merci que tu es avec nous. Nous espérons que laissons ça à tes bien dans tes tours. Donc, n'apprêtons pour d'autres leçons pour nous capables et édifiants. Si vous aimez ça, voyons un like, et puis abonnez à la chaîne là. Pour nous capables d'intéresser, voyez plus de vidéos, faire plus d'études encore avec vous, d'anticroser avec sur la Bible. Merci à tous.